Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va remplacer du carrelage cassé au sol. On est toujours dans mon atelier. Dans la vidéo précédente, j'étais faire un tour dans le vide sanitaire pour installer un robinet de jardin. J'ai retrouvé le carrelage correspondant au sol de l'atelier. Je vais pouvoir remplacer 10 carreaux qui sont cassés. On va même aller jusqu'à 12 carreaux, mais il y en a deux qui ne vont pas être remplacés. Je vais juste couler un ragréage dedans, puisqu'à l'avenir, j'aimerais déplacer l'accès au vide sanitaire dans ce coin-là. Il est caché derrière vous, il est très grand, et avec les modifications que je veux faire dans l'atelier, je n'y aurai plus accès. Donc il va falloir que je le déplace dans ce coin-là. Je fais une parenthèse, puisque dans la vidéo, je vous dis accès de 45 par 90, et au final, il va être légèrement plus petit en largeur, puisque j'ai une poutrelle, après vérification, qui est légèrement décalée. Donc il fera 38 par 90. C'est bon, je passe. On se retrouve en fin de vidéo, on fait un point sur les outils qu'on a utilisés. Je vais même vous montrer avec quoi je les entretiens, puisque c'est une question qui revient très fréquemment. Tes outils sont toujours propres, comment tu fais pour les entretenir? Tu les utilises jamais. Donc je vais vous montrer avec quoi je nettoie les outils et pourquoi ils sont toujours neufs. Il y a eu un gagnant également, puisque dans la vidéo précédente, on a fait un jeu concours. Il y avait des caisses Kubrick à gagner. Je vous ai posé une question, il fallait tout simplement y répondre en commentaire. On a eu un gagnant, donc on voit tout ça en fin de vidéo. La mission du jour consiste à remplacer une dizaine de carreaux au sol. J'ai un nid d'éclat sur ce carreau. À une époque, je bossais pas mal dans ce coin, je coupais de l'acier, les chutes d'acier tombaient par terre, des outils sont tombés, forcément ça crée des éclats. Dans la vidéo précédente, j'étais faire un tour dans le vide sanitaire pour poser un robinet de jardin. J'ai retrouvé le carrelage, c'est ce qui m'a donné envie de le remplacer et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va découper les joints, faire sauter le carrelage, gratter le sol, mettre un primaire, faire de la colle carrelage, reposer le carrelage, faire les joints et le résultat sera nickel. À moi à l'avenir de faire attention. Si je fais tomber un outil, eh bien faut protéger le sol lorsqu'on bosse. Au moins, ça cassera pas le carrelage. Alors, je pourrais laisser ça comme ça, me dire c'est juste un atelier. Mais bon, ça me plaît pas. À l'époque, j'avais posé du carrelage. C'était pas pour me dire on le casse, on s'en fiche. Donc, on va remplacer. Je vous l'ai dit, j'en ai une dizaine. Ça vient jusqu'ici. Il y a un éclat là. Il y en a un autre par ici. Donc je vais bien repérer les carreaux qui sont à changer et on va les changer. J'ai sorti les outils, l'aspirateur, perfo, meuleuse, je vais tout vous montrer. On a du ragréage mais je ne vais pas en faire. On a de la colle carrelage, je pense qu'on en a assez. Le carrelage, j'en ai une quinzaine, donc il va falloir que je fasse attention à l'avenir. Parce qu'une fois que j'ai remplacé les 10 carreaux, il m'en restera plus que 5. Donc je vous fais le tour de l'atelier. Vous voyez qu'en ce moment, c'est très très mal rangé, il y en a partout. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y aura de la vidéo. Il y a même des caméras de surveillance. Je vous prépare un sujet sur ces deux caméras. Vous verrez ça prochainement. J'ai même un stagiaire. Alors, il ne fait pas grand-chose à part manger, boire, dormir, jouer. Le reste, il s'en fout complètement. Et il a bien raison. Donc là, dans un premier temps, on découpe les joints, on fait sauter le carrelage et on voit ce qu'il y a en dessous. Donc là, l'idée consiste à découper le joint avec la meuleuse. J'ai mis un disque neuf dessus et d'aspirer en même temps. Donc l'aspirateur est juste là, je vous en reparle tout à l'heure. Donc on imagine qu'on est au niveau du sol, on tient la meuleuse comme ceci. Bien sûr, il faut mettre des lunettes de protection et on aspire en même temps. Et c'est la meuleuse qui travaille. On ne force pas sur la meuleuse, on ne revient pas en arrière, on ne force pas en disant il faut que j'aille vite et j'appuie. C'est le disque et la meuleuse qui font tout le boulot. Nous, on n'a pas à forcer. Et donc, je vous dis, il faut vraiment tenir l'aspirateur pour récupérer un maximum de poussière. Sinon, vous allez en mettre partout. Allez, je vous montre comment on fait. Thank you.
Bon, tous les joints sont tronçonnés, 2 mm, c'est ce que j'avais dû faire à l'époque, donc le disque passait. Sinon, avec des joints d'1 mm, il faudrait taper dans le carreau, à l'intérieur du carreau qui est à casser, parce que sinon on a un risque d'ébrécher celui qui est à côté, donc on tronçonne toujours vers le carreau qui est à casser. Donc j'ai tronçonné, hop, jusqu'à la disqueuse, la meuleuse, la tronçonneuse, on l'appelle comme on veut. Et on refile jusqu'ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à casser, buriner. Donc j'ai mis des gants, je vais mettre des lunettes, parce que là, j'ai pas envie de me couper avec un bout de carrelage. Les lunettes, il peut y avoir un éclat qui saute dans l'œil. La disqueuse, je vous en reparle tout à l'heure, le disque également. L'aspirateur, je l'ai tenu derrière pour récupérer un maximum de poussière. Et il a un décolmatage automatique du filtre, je vous en reparle tout à l'heure. Donc on fera le point sur les outils en fin de vidéo. Donc là, je vous l'ai dit, le but, c'est de tout casser et d'enlever un maximum de colle. Je vais peut-être même sortir la surface de béton. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. On va voir. Bon, on va s'attaquer à la démolition. J'ai sorti le perfo burineur Hilti, je vous en reparle en fin de vidéo. J'ai mis ce type de burin. Donc l'idée, c'est de casser et de passer sous le carrelage pour le décoller, d'enlever un maximum de colle. Ensuite, on prendra la surface de béton pour poncer et arriver jusqu'à la chape. Donc on casse un maximum, on se protège les mains, je vous l'ai dit, on met des gants, parce que là, je peux me couper avec un bout de carrelage, et on va se protéger les yeux, mettre des lunettes, puisqu'un éclat qui saute dans l'œil, et c'est direction l'hôpital. Et j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai autre chose à faire. Donc on se protège, gants, lunettes, si vous voulez mettre un masque, mettez un masque. Et là, l'idée, c'est d'en casser un maximum. Après, je vous l'ai dit, surface osse béton, on nettoie, on met le primaire. Colle, carrelage, carrelage, les joints, c'est terminé. Mais avant d'en arriver là, on a encore un peu de boulot. Bon, le carrelage est cassé, j'ai tout évacué, je vais pouvoir poncer l'excédent de colle et rattraper la chape. Alors je pourrais le buriner, mais je vais pas me compliquer la vie. Vu que j'ai une surfaceuse béton ou une ponceuse de rénovation, disque diamant, je vous l'avais déjà montré en vidéo. C'est la Colomix CMG 1700, vous aurez le lien dans la description, vous irez voir ne serait-ce par curiosité. Mais pour poncer du carrelage sur lequel vous devez recarreler de la faïence, colle carrelage, une chape pour rattraper un niveau, c'est le top. Alors bien sûr, il faut la brancher à l'aspirateur, sinon vous allez en mettre partout, mais ça décape super bien. Donc là, on va poncer l'excédent de colle, rattraper la chape. Il n'y a que dans les coins, bien sûr, je ne pourrai pas y aller puisque la tête est ronde. Je gratterai avec le burineur, mais je vais enlever un maximum de colle carrelage sans me fatiguer.
Je vous montre où j'en suis. J'ai décollé donc les 10 carreaux. J'ai poncé. J'ai passé le burineur au ras du carrelage. Alors, il faut y aller doucement pour ne pas les brécher. Parce que sinon, on est bon pour décoller des carreaux. On y va doucement, proprement, pour qu'il n'y ait rien qui gêne. Donc, les 10 carreaux sont enlevés. J'en ai rajouté deux autres. Je vous explique pourquoi. La trémie pour accéder au vide sanitaire, elle se trouve derrière ce foutoir. Et j'aimerais la déplacer à l'avenir pour qu'elle vienne ici. Le carreau fait 45 par 45, donc je me retrouve avec une trémie de 45 par 90, ça me suffit largement pour y accéder. Et pourquoi je veux la mettre ici? Parce qu'il va y avoir des travaux prochainement, il va y avoir des modifications, et là où elle est, elle me gêne. Donc la trémie vient ici, j'étais dans le vide sanitaire, voir qu'il n'y a rien qui me gêne, pas d'évacuation, pas de tuyaux, on est bon. Je vais pouvoir casser ensuite les ourdis et y accéder. Donc les travaux au niveau de l'accès vide sanitaire, on verra ça dans 6 mois, dans un an, j'en sais absolument rien. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de carrelage. Je vais juste mettre une planche de contreplaqué PVC ou même couler du ragréage. Et ça ira très bien. Ensuite, j'aurai plus qu'à creuser. En attendant, on va mettre le primaire d'adhérence, le prima universel de VPI. Donc, il est vert, il est turquoise, il est magnifique. Vous avez le lien dans la description, vous irez voir. On va le poser ensemble. Rouleau, brosse, comme vous voulez. L'idée, c'est pas d'en mettre partout sur le carrelage. C'est d'y aller proprement. Vous pouvez mettre du scotch de masquage ou avec un pinceau faire le contour. On fait ça proprement, on laisse sécher et ensuite, on peut préparer la coque carrelage. C'est parti pour la pose du carrelage. Le primaire a bien séché. Le carrelage est ici. On va utiliser de la colle de chez VPI, la V411 Coliflex Premium 2. C'est une colle blanche déformable. Elle existe aussi en gris. Je pose le carrelage et ensuite on fera les joints couleur gris clair. Il me semble que c'est ce que j'avais mis à l'époque. On va essayer de retrouver à peu près la même chose. Alors pour le peu de colle que j'ai à faire, je vais pas me compliquer la vie, je vais la remuer et la malaxer à la main, parce que là sortir un malaxeur pour si peu, ce serait dommage.
Bon, ça fait maintenant 2-3 heures que le carrelage est posé. J'en ai profité pour gratter les joints, parce qu'au bout de 2-3 heures, la colle commence à tirer et le joint peut le gratter facilement. C'est important d'enlever un maximum de colle dans les joints pour ensuite appliquer le joint et que la colle ne se mélange pas au joint, ou l'inverse. Ici, je vous l'ai expliqué, c'est la nouvelle trémie pour le vide sanitaire. Donc plus j'y pense et plus je me dis que je vais couler un ragréage plutôt que de mettre une planche en bois qui va s'abîmer ou une planche en PVC, je vais glisser dessus, ragréage, et au moment de faire l'accès, je découpe 1 cm à l'intérieur du carreau, je casse, je fais mon accès, et la plaque ensuite va venir chevaucher d'environ 3-4 cm le carrelage, donc on est bon, parce que là, le carreau il est cassé dans l'angle, et celui-ci également. Donc là, il faut faire attention aux carreaux quand on les pose, parce que là, celui-ci, il est cassé. Au début, je m'étais trompé. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais je l'avais posé ici. Donc entre-temps, j'ai interverti, je m'en suis aperçu. Mais ça, c'est le problème du vide sanitaire, c'est qu'on les stocke n'importe comment et ils se cassent dans les angles. Donc dès qu'on pose du carrelage, il faut vraiment vérifier que le carreau n'ait pas un défaut, qu'il ne soit pas abîmé dans un angle. Parce qu'une fois que c'est posé, il faut recasser. Les petites croix, vous avez compris, c'est pour éviter de marcher dessus. Moi, je le sais, mais ma fille, par exemple, si elle accède au garage et qu'elle marche sur le carrelage, elle va tout me déplacer. Ce serait dommage. Et puis, c'est pas elle qui va me les replacer. Donc, les croix, demain matin, c'est sec. Je fais les joints. Mais pour vous, c'est tout de suite. Thank you.
Bon, dans la vidéo précédente, il y avait un jeu concours, on a eu un gagnant, je vous avais posé une question, à quoi peut bien servir cette rallonge en dehors de sa fonction de rallonge pour collier et rosace. J'ai eu plusieurs propositions, même des propositions farfelues. La seule qui m'intéressait était en rapport avec la vidéo précédente, parce que je vous l'ai dit, il y a un indice dans la vidéo, il fallait tout simplement me répondre de mettre la rallonge sur la perceuse. C'est tout bête, mais ça vous sauve la vie, surtout lorsqu'on est dans des endroits et des accès difficiles. Donc la rallonge, vous prenez la perceuse, on la met au bout, on enlève, là pour la démo j'avais mis le collier, je l'enlève. Imaginons, j'ai fait le trou, j'ai mis la cheville, j'ai ma pâte à vis, j'ai ma rosace, on met ça, hop, on visse, et j'ai plus à visser dans la cheville ou dans du bois si c'est du bois. Si vous en avez qu'une à mettre, n'allez pas vous compliquer la vie, vous serrez ça à la main. Un moment, si ça devient difficile, ben vous passez un tournevis dans le collier et on aura plus de force. Mais si vous en avez plusieurs à poser, ok, rallonge, on visse directement et ensuite vous vissez votre collier. Mais la rallonge sur la perceuse, ça vous sauvera la vie dans des endroits difficiles. Donc il fallait juste me répondre à mettre sur la perceuse pour visser directement les pâtes à vis. C'est la seule réponse qu'il me fallait. Donc on a eu un gagnant, je vous affiche le commentaire ici. Il s'appelle Rigo Cyril, il y a 6 jours, c'est le premier à me répondre. Je m'en sers sur une visseuse pour serrer mes pâtes à vis bois en série. Je vous le montre, il est ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vous l'affiche. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, félicitations à lui, il va recevoir les caisses Kubrick, je le laisse me contacter, il a une semaine pour me contacter, et si jamais il ne m'a pas contacté, et ben ce sera le message qui est juste au-dessus, Pascal Desmond, je ne sais pas comment on le prononce. Salut Cédric, bonne vidéo et bon choix de musique, merci Pascal. La rallonge peut servir à visser les pâtes à vis, bon dimanche, tout simplement. Donc on a déjà 2 gagnants, bon le premier, je vous l'ai dit, c'est Cyril, il me contacte, il a une semaine, et s'il ne me contacte pas, eh bien, ce sera Pascal. Vous savez tout. On fait le point sur les outils. Je vous montre le perfo, la meuleuse. On va commencer par la Colonix. Alors, vous avez vu, elle est toute propre. Pourtant, je m'en suis servi. Donc, je vous montrais tout à l'heure avec quoi je nettoie les outils. Donc, c'est la CMG MX700. Chose importante, avec ce genre de matériel, il faut vraiment mettre des EPI. Parce que même si on est au sol, on appuie, il peut y avoir des projections. Et autre chose, il faut vraiment exercer une pression lorsque... Alors bien sûr, aspirateur obligatoire, sinon ça va voler de partout, la poussière. Il faut exercer justement une pression pour éviter un maximum de poussière. On a une bavette tout autour, ok. On exerce la pression, l'aspirateur va récupérer toutes les poussières. Et dès l'instant où vous avez décapé ce que vous avez à décaper, on relâche, on n'appuie plus comme un fou, on relâche légèrement et on peaufine, vous lissez tout ça. Mais au début, il faut vraiment insister, appuyer. Parce que plus vous allez appuyer, plus vous allez écraser la bavette et moins la poussière va sortir. Et derrière, il faut un bon aspirateur avec décolmatage automatique, c'est très important. Donc je vous remontre la meule, je vous mettrai tous les liens dans la description. Mais celle-ci, elle décape, elle envoie. Donc la référence, je vous l'ai dit, CMG 1700, Colomix, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du super matériel, c'est la même marque que j'utilise pour le malaxeur, c'est top. Ensuite, on avait la meuleuse, donc la Hilti, ok, vous avez la référence, AG125 à 22, 22 pour 22 volts, ce sont les mêmes batteries que sur le perfo, que la sertisseuse. Ultra légère, poignée homme mort, très important. Dès que je relâche, elle s'arrête. Ça veut dire que si je fais un malaise ou que je chute, elle va s'arrêter toute seule. Donc ça, c'est très important, la sécurité avant tout, surtout avec ce genre de matériel. Le disque, c'est un disque Hilti. C'est celui-ci. Vous voyez, il est tout beau, il est tout neuf. La référence, les liens dans la description. Même pour la meuleuse, je vous mets le lien. Je vous dis, elle est ultra légère et on la tient très bien en main. Pour une meuleuse avec poignée homme mort, elle se tient très bien et elle est ultra légère. Donc le lien dans la description. On a le perfo, alors lui c'est mon préféré, il est vraiment pareil, ultra léger, batterie 22 volts, 5,2 ampères. Donc on perfore ou on burine,
Là, je m'en suis servi en burinant. Et à un moment, vous avez vu que j'ai cassé le long du carrelage. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. Ça casse tout seul. Il est en SDS+, pour ceux qui se posent la question. Alors, il existe des adaptateurs SDS+ vers SDS Max. Donc, perfo. Ok, là, il est en fonction perfo. Là, vous pouvez y aller. Je m'en suis servi dans la vidéo précédente. J'ai percé en diamètre 26. Ça perce tout seul. Il est surpuissant et les batteries, elles tiennent. Mais c'est un truc de dingue. Là, vous voyez, elle est pleine. Et pourtant, j'ai buriné. Donc ça, c'est une valeur sûre, ce perfo, la référence IPTI TE6A22. Vous avez le lien dans la description. Il faut aller voir juste par curiosité. Aller voir les données techniques, mais honnêtement, super léger, puissant, c'est le top. Et en plus, il n'est pas grand, vous voyez, par rapport à ma main. C'est, il y a, pour ceux qui se posent la question, la butée. Moi, je ne la mets pas parce que je m'en sers comme... là, je m'en suis servi pour buriner, j'ai pas besoin de butée. Mais si vous avez besoin de perforer avec, en respectant la profondeur, il y a bien sûr la butée. Et j'ai même le récupérateur de poussière qui s'adapte. Alors, je ne l'ai pas monté parce que là, aucun intérêt pour buriner. Mais il y a un récupérateur de poussière, donc vous pouvez perforer sans poussière. Je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo. Il me reste à vous montrer l'aspirateur, mais il faut que je débarrasse tout ça. Je vais déjà vous montrer avec quoi je nettoie les outils, parce que c'est une question qui revient très fréquemment. Alors par exemple, la meuleuse, on va meuler, il va y en avoir partout. Là, je l'ai entièrement passé au compresseur, donc avec la soufflette. Pareil pour le perfo, pareil pour la surfaceuse béton. Alors oui, le terme surfaceuse béton, ponceuse de rénovation, ponceuse béton, vous l'appelez comme vous voulez. Il y avait de la poussière de partout. Donc il faut vraiment dépoussiérer au maximum. Soufflette compresseur. Et ensuite, vous avez vu, ça brille de partout. On a l'impression qu'elle est neuve. Alors je ne la passe pas au WD-40. Le WD-40 ou le 3 huiles en 1, prenez ce que vous voulez. On s'en sert pour graisser certains endroits. Mais le WD-40, déjà, je trouve que ça laisse une odeur désagréable. Et puis, c'est gras au toucher. Si vous nettoyez tous les carters, vous allez mettre les mains dessus. Vous allez avoir du gras sur les mains. Le mieux, c'est d'utiliser du rénovateur de plastique pour les voitures, tout simplement. Donc ça, moi, j'utilise cette marque. Je vous mets le lien dans la description. Vous trouvez ça chez Noroto, chez Vevert, en grande distribution, même sur Internet, ça se trouve. Je vous l'ai dit, il y a le lien dans la description. Et ça rénove les plastiques, à savoir, donc ça ravive l'éclat de votre tableau de bord et de toutes vos surfaces intérieures en plastique, c'est écrit derrière. Donc l'avantage, c'est que ça ne laisse pas de gras sur les machines. Vous pouvez remettre, une fois que c'est sec, les mains dessus, vous n'aurez pas les mains grasses. Et puis, alors ça n'effacera pas les rayures, si vous rayez le perfo ici, ça n'enlèvera pas la rayure. Mais vous voyez, il est nickel, il est tout propre, on a l'impression qu'il est neuf. En dessous, vous voyez, je peux enlever la batterie. Ici, en général, il y a plein de poussière. Il n'y a rien du tout. Compresseur. Et ensuite, on applique le produit magique pour rénover les plastiques. Et vous avez du matériel qui est nickel. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Plus d'excuses pour me dire, bah, moi, j'ai une surface au béton, elle est pleine de poussière, j'arrive pas à la nettoyer. Vous voyez, là, elle est nickel. Même le carter. Donc voilà, vous savez tout, tous les liens dans la description encore une fois. Je fais un peu de place et je vous montre l'aspirateur parce que là on tape dans le lourd de chez lourd, je vous le dis. Hop, sans pose ça là, on pousse, nickel. Attention, voilà le monstre, comme l'appelle Cyril, French Rénovation. Le ILTI VC20MX, alors M parce qu'il est en classe M. On fait le tour de la bébête et devant, voilà quoi il ressemble, tout simplement. Et alors lui, quand je vous dis qu'il est puissant, c'est qu'il est surpuissant. En termes de taille, vous voyez, il n'est pas gros. Il est léger. Et il fait 15 litres. On a un câble qui est super long. Quand je vous dis qu'il est super long, je ne sais pas s'il doit faire 3 mètres, 5 mètres. Je n'ai pas mesuré, mais il est très très long. Donc je vous remonte la façade parce que c'est important de voir qu'on peut brancher du matériel dessus. J'avais branché la ponceuse béton, donc elle se déclenche automatiquement. L'aspirateur se déclenche automatiquement dès l'instant où je mets la ponceuse en marche. Alors ponceuse ou tout autre matériel que vous allez brancher dessus, ça peut être une ponceuse girafe pour poncer du placo. On a un décolmatage automatique du filtre qui est ici, et ça c'est très important, surtout pour la poussière de plâtre. Ça c'est l'enfer, la poussière de plâtre.
ça passe partout, donc décolmatage automatique du filtre obligatoire, sinon vous allez bousiller votre matériel. On peut le mettre en fonction auto, il y a une fonction on-off, bien sûr je peux l'arrêter ou le mettre en fonction manuelle, comme je peux le mettre en fonction auto. Je vous montre derrière, alors comment il s'ouvre, hop, on enlève tout ça, je vous montre l'intérieur de la bébête. Hop, donc en dessous, voyez, le filtre, je vous montrerai après comment on enlève le filtre. La cuve avec le sac, donc jusque là, rien d'extraordinaire. 15 litres, je ne voulais pas préciser, il fait 15 litres en capacité, mais ça suffit largement. Pourquoi ça suffit? Parce que moi, des aspirateurs en 26 litres, j'en ai eu, même en 55 litres. Et il y a un moment, vous vous dites, bah, c'est super, j'ai un gros réservoir, une grande capacité, mais après à déplacer, c'est l'enfer. Le truc, il pèse une tonne. Lui, 15 litres, ça va. Une fois qu'il est plein, vous le soulevez et puis il passe partout parce qu'il est tout petit. Vous voyez? Et vous pouvez tout faire avec, hein, il est surpuissant. C'est le plus puissant des aspirateurs que j'ai eu. Donc, vous pouvez questionner Cyril French Rénovation. Il l'a, c'est même lui qui m'a influencé. Donc, c'est moche, Cyril, ce que tu fais, tu le sais. Il m'influence, mais il a raison. Il m'a dit, teste-le, c'est une tuerie. Hop, donc voilà. Le filtre, je ne vous l'ai pas montré, parce que je prends l'aspirateur et je ne vous montre même pas. Il se retire par ici, tout simplement. Ok, et pour le remettre, on le met dedans. Si j'y arrive, hop, comme ça. Ok, donc voilà, vous savez tout sur cet aspirateur. Encore une fois, le lien est dans la description. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une pure merveille. Je vous le dis, c'est le meilleur aspirateur que j'ai eu jusqu'ici. Et pourtant, c'est juste un 15 litres. Mais la puissance du moteur, puis c'est du Hilti. C'est même plus à... Il n'y a plus rien à prouver. Donc voilà. Alors, vous savez tout maintenant pour cette vidéo, les outils, comment je rénove les plastiques, l'aspirateur, la surfaceuse béton, vous avez vu la meuleuse, vous avez vu le perfo. Le gagnant, je vous l'ai annoncé, on a fait le tour de tout. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, et ça va être une vidéo, je vous le dis, on va un peu sortir du chantier, mais on va s'intéresser à l'aménagement du camion. Et on va commencer par la sécurité. Je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Thank you.